anglais qui vient de passer. Il s'est déjà arrêté avec les clignotants gauche. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va revenir vers nous. Ou certainement, il va aller jusqu'au bout pour faire demi-tour. Comme ça, tu vas aboyer encore. Un mot, Titi. Ah tiens, vous êtes là. Salut les guéris. Comment ça va vous? Nous, qui, ça va. Ici, on est installé face à la route. Hein? Et donc, on voit tout ce qui se passe. Et derrière, on a nos maisons à roulettes, hein, comme vous les voyez. Et voilà. On est bien là. Hein. On est bien. Tiens, même un peu frisqué à l'ombre. Ouais. Ouais. Et là, je rentre la plage, mais ça souffle au bord de l'eau. Hein. Et frisqué, hein, donc ouais. On supporte quand même encore. Mais ce matin, je suis quand même allée marcher au bord de l'eau pendant que la marée se retirait. Oui, mais toi, t'es pas frileuse, toi. C'est pas pareil. Oui, mais j'ai marché, ça faisait du bien. Oui, non, mais d'accord, moi aussi, j'ai marché. Domino aussi, il a marché. Mais il avait pas froid, le chien. Ah, des fois, il a froid quand même. Hier soir, il était enroulé dans son plaid sous le canapé. Il n'a pas bougé. Non, c'est vrai que le soir, il fait encore frais hein, quand même. Ben, l'autre jour, j'ai démarré le moteur et il m'a affiché 8 degrés ouais. Vers minuit. Et il a frisqué quand même. Hein. Bon, on reste au sud. Hein. On reste au sud. On reste au sud et puis tout à l'heure, là, vous allez voir les vagues, parce que je filme les vagues, quand même, vous allez voir les vagues. Ah ouais, parce que franchement, elles sont belles, c'est vraiment très très joli ici. Ouais. Moi j'aime beaucoup, ouais. On aime beaucoup, puisque voilà, on fait pas de super vidéos, on va rester jusqu'à jeudi, vendredi, on sait pas. Ouais. Le but du jeu, c'est de ne pas franchir la frontière espagnole avant le 31 mars, comme ça j'aurai fini mon abonnement boîtier ouais. Portugal Internet. Ouais. Ouais. Je fais encore de la pub pour eux, mais si vous venez en long séjour, plusieurs mois, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup ouais. Au début, c'est un petit peu plus cher, mais après, on passe à 1 euro par jour. Ouais, c'est sympa. Si tu dépasses les 30 jours, il me semble, non? C'est ça? À partir de 30 jours, au-delà de 30 jours, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer au moins 2 mois. Comme ça vaut le coup. Seul truc, vous devrez payer la totalité tout de suite au départ. C'est-à-dire, vous avez, si vous prenez 2 ou 3 mois au départ, vous en avez un truc un peu plus important. Ouais, moi j'ai payé pour plusieurs mois, mais par exemple le mois de mars, je l'ai payé après. Hein, voilà. Quand j'arrivais à la fin du mois de février, je leur ai dit, bon ben je renouvelle pour jusqu'à la fin du mois de mars. Bon ben voilà, j'ai payé 31 euros puisque c'était 31 jours. Voilà, ouais. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Et après, je remets dans l'enveloppe qu'ils m'envoient eux. Je remets le boîtier avec le petit matériel qu'il y a, la prise électrique et le chargeur, je sais pas comment ça s'appelle, USB. Et je remets dans la boîte à lettres et terminé avant de partir du Portugal. Avant de quitter le Portugal, voilà. Quand même. Ouais. Donc sinon, on fait une petite causerie parce que on fait rien d'exceptionnel. Non. Pour vous, pour nous. Bien sûr, c'est fabuleux. Toujours. On fait rien. Toujours. Voilà. Pour beaucoup de gens, on fait rien. Nous, on bricole. Ouais. Mais on bricole. Ouais, je continue de crocher, voilà. Voilà. Ça, c'est sa dernière création. Ouais. Alors non, je ne vais pas lui piquer. Non. Non, ça non. J'ai déjà piqué mon gilet. Non, ça non, je ne vais pas le piquer. Non. J'aime bien, mais non. Non. Ça va, non. J'ai bien assez de vêtements. J'essaie de limiter les vêtements, c'est pas bon à reprendre. Si vous voulez voir la totalité, vous allez voir la photo sur la communauté. Ouais. Il y a une photo. Voilà. J'ai pris la chauve-souris en châle. Elle s'est prise pour Batwoman. Ouais, yes, rose. Oh, ouais. Rose pour les filles. C'est vrai en plus. Et Domino, il a mis son nouveau harnais très flashy. Donc on bricole. Ouais. Moi j'écris, je fais du crochet, je fais de la couture. Toi tu fais du crochet. La couture au ciseau. La couture au ciseau. Non, aujourd'hui j'en ai pas un que j'ai fait moi. Non. Ouais. Aujourd'hui non. Mais tu as mis un pantalon court assorti à ton t-shirt. Ouais. Il y a du rose et du rose. Yeah. Et lève la patte. C'est comme Domino, lève la patte. Par contre, on aimerait bien profiter de cette vidéo pour vous remercier. Ouais. Je sais que ça paraît bête, mais nous, ça nous touche beaucoup. On veut vous dire merci pour vos cadeaux. La laine, la participation financière et tout. Hein. C'est vrai que ça nous,
Là, ce mois-ci, ouais. on a été gâtés. Oui, absolument. Merci. Ouais. Ouais, absolument. Vraiment, merci. Ouais. Merci. Il y a un petit bémol. C'est qu'on a plusieurs personnes pendant les lives qui nous ont promis des choses. Et bon. Pour le moment, il n'y a rien. Peut-être ça arrive plus tard, mais pour le moment, il n'y a rien. Bah, y a des choses qui ne sont plus possibles, puisque il y avait des promesses de colis. Ouais. Donc là, maintenant, ça va être très, très compliqué. Ouais. Les colis, ouais. c'est fini, pratiquement fini, oui. parce que maintenant, oui. on bouge, vraiment. Là, surtout, là, on est dans des endroits où il n'y a même pas de poste, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'eau, voilà. Ben non, il y a la mer. Voilà, exactement. Pardon, va boire de l'eau, va boire l'océan, on va boire, ouais, on va boire un ça. Peu. Ouh, il faut avoir beaucoup de soif pour boire l'océan. Non, par contre, on a eu des promesses financières. Ouais. Et bon, voilà, ça nous provoque une grande joie. Ouais. Et ça nous provoque une grande peine quand on voit que, bon, finalement, bah, y a rien, quoi. Voilà. On vous le dit. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être ça arrive plus tard. Peut-être qu'il faut plusieurs mois après une promesse. Je ne sais pas. Et par contre, on a des gens qui disent rien et qui nous font un cadeau. Ouais. Alors ça, c'est toujours la surprise. Généralement, Chris a à peine ouvert deux yeux le matin que je lui saute dessus pour lui dire « Ah, j'adore être réveillée comme ça le matin. Oh, j'ai rien contre. Je déteste quand le réveil sonne, mais quand elle vient, elle me dit pas. Ah oui, là, je veux bien, ouais. N'empêche que grâce à vos dons, j'ai fait plein de courses. Ouais. Et j'ai même pris le luxe d'offrir. Alors, ce qu'ont des chats, vous connaissez sûrement. Moi, j'appelle ça les petits gâteaux. C'est des petites barres comme ça pour chats. J'appelle ça des petits gâteaux parce que bon, c'est une friandise. Oui. Et j'en ai acheté deux petits paquets pour Cassie. Voilà. Ouais. Je me suis dit là quand même, ma minette, elle a le droit à ce petit gâteau. Et Domino, il a eu le droit à sa nouvelle laisse, très flashy. Voilà. Donc merci. Non, mais sans rire. Ouais. Merci, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bon, oh, sinon, je suis en train de découvrir quelque chose par rapport à l'adresse fiscale, etc. Oui. Je vous lance l'idée pour l'instant comme ça. Ça n'a rien à voir avec le CCAS, rien à voir avec quoi que ce soit. C'est vraiment directement avec les impôts. Donc, pour l'instant, je ne vous dis que ça quand j'ai des informations précises. Parce que là, je viens de contacter les impôts pour en savoir plus. Je vous ferai une vidéo. Oui. Voilà. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que la taxe d'habitation, à partir de juillet, de ce juillet, là, mois de juillet 2019, il n'y en aura plus pour les camping-caristes. Ouais, ça s'appelle pour les camping-cars, ça s'appelle pas taxe d'habitation. Voilà. Ça s'appelle pour taxe, je sais pas trop quoi, pour résidence principale mobile terrestre. Voilà. Terrestre. Terrestre. C'est pour les bateaux, c'est encore autre chose. Hein. Autre chose, voilà. Ouais. Donc les 100 ou 150 euros disparaissent. Disparaissent. De toute façon, ça ne me sert pas grand-chose parce que là, j'ai payé encore. Et à partir de l'année prochaine, j'aurai de toute façon plus rien à payer parce que Fox, il aura 15 ans l'année prochaine. Oui, donc bon. Mais bon, c'est toujours sympa d'apprendre ça. Oui, bien sûr. Hein, donc, pour ceux qui ont un camping-car plus récent, voilà. Et qui ont le projet de vivre en permanence, donc voilà, ça, c'est supprimé. Ça, c'est fini. Ouais. Donc, normalement, vous avez payé pour la dernière fois cette année. Donc, 2019 ne sera pas payante. C'est fini. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, tu nous parles un peu là, de ta petite chose là, avec la chouette. La petite chose avec la chouette. C'est quoi ça? C'est un collier. C'est un collier fait par mes petites mains. Coucou. Non, t'as mis le fermoir. J'ai mis le fermoir. Voilà. Ah, puis on peut plus ou moins serrer. Et on peut plus ou moins serrer, effectivement, tu as tout compris. Et bien. En plus, la chouette, elle est amovible. Alors, on peut l'enlever. Voilà. Pour accrocher à autre chose. Si vous voulez, par exemple, la chouette accrochée à votre sac ou à votre clé. Et vous pouvez vous servir de votre collier. Ben, regardez. Pour mettre des lunettes, par exemple. Ouais.
multifonction. Voilà. Ou accrocher autre chose à la chouette et puis mettre au collier aussi. Ou accrocher autre chose à la chouette, bien évidemment. Ou et accrocher au collier. Combien tu le vends? Là, elle me prend au dépourvu. J'ai fixé les prix, mais je me souviens plus. 15, 20. Ah ouais, 15 euros au moins. 15, 20, ouais. Je sais plus. Est-ce que j'ai mis 15 ou 20? Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, c'est une pièce unique. C'est une pièce unique. De toute façon, toutes mes pièces sont des pièces uniques. Et oui, hein. C'est une pièce unique. Ce sont vraiment des créations uniques. Ouais. Voilà. Alors, si ça vous plaît, c'est à vendre. Et puis, sur le prix, il y a une petite participation aux frais de port quand même. Même si ça ne coûte pas trop cher, parce que ça rentre dans une enveloppe classique. Je sais pas, une petite participation. Ouais, 1 heure ou 2 heures ou quelque chose comme ça. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Voilà. Disponible tout de suite. Attention, il n'y en a qu'un. Alors, dépêchez-vous. Il n'y a qu'un seul. Hein. De toute façon, ce sera la première personne qui le prendra. Bah oui. Ça, c'est clair. Et il n'y a qu'une seule. Comme ça. Voilà. C'est vraiment unique. Alors, moi, je vous fais voir. Et toi, tu as quoi, toi? Alors, j'ai fait un sac. Alors oui, je l'ai cousu à la machine. Oui. Voilà. Oui, absolument. Alors, c'est un sac qui peut servir pour les courses. Non, ça, c'est pas la pochette, voilà. Ça peut servir pour se balader, mettre ta petite serviette de bain. Enfin, tu t'en sers à ce que tu veux. À la plage, voilà, c'est le moment. Voilà. Recto, verso. C'est moi qui ai tressé aussi avec mes petites mains. Oui. J'ai cousu aussi là. Voilà. Donc, elle a tout fait. Voilà, je le vends 5 euros. Et là aussi, c'est tout de récupération. Hein. Ouais. Parce que ça, c'est récupération, ça aussi, la ficelle. Ouais, la ficelle, oui, en fait... C'était du neuf, la ficelle. Oui, c'est qu'en fait, c'est une grosse bobine que j'avais achetée. Ouais. Qui faisait, je sais pas combien de mètres de long, enfin bref, c'était trop rigolo. 3000 mètres, je crois, mais... Donc, si jamais vous êtes intéressé, pareil, donc 5 euros, vous allez dans le descriptif, c'est marqué les nuances d'ambre. Vous me contactez directement ici ou sur notre adresse commune. Oui, sur l'adresse commune, ça va très bien. Voilà. Ouais. Donc, 5 euros le sac et une petite participation aux frais d'envoi, pareil. Ouais, voilà. Ouais, et toi, tu as autre chose là-bas? Oui, j'ai autre chose. J'ai un petit bracelet. Voilà. Ça, c'est fait, pareil, avec mes petites mains. Et on peut l'ouvrir. Hop, voilà. Voilà, vous voyez. Ça, c'est très tendance, C'est très tendance. Et c'est une petite astuce que je trouvais. Donc, allez, je vais essayer. En direct live. Voilà. En direct pas live, pardon. Voilà. Attention. Alors, ça... Attention. T'as besoin. Oui, voilà. J'ai mis en garde de son propre bracelet, quoi. Voilà. Hop, ça, la boucle, elle passe par l'autre boucle. Et par-dessus. Le bouton. Elle va y arriver. Je vais y arriver. C'est pas gagné, hein. Ouais, non, mais attends, j'ai pas 3 mains, j'en ai que 2. Oh. Ah, mais je te laisse faire parce que normalement, la personne, elle est toute seule. Hein. S'il y a le mari à côté, enfin, le... Voilà. Ça fait ça. Alors, combien tu vends? Elle me pose toujours des questions, je sais pas. Elle m'a même pas laissé le temps de regarder ma liste de prix. Je sais pas ce que j'avais dit. 10, il me semble que j'avais fait 10. Ah, je sais pas. 7, 10, je sais plus du tout. Bah, là, t'es obligée de leur dire un prix, ma chérie. Hein. Attention, j'ai vendu à combien? 7. Allez, 7 euros, plus une petite participation, voilà. Au frais d'envoi. Vous contactez Krissa directement par mail et j'ai vendu à une seule personne. Ah non, on va pas découper le bracelet. Hein. C'est pas la peine de vous présenter à 10, il y en aura qu'une qui sera satisfaite. Et c'est toujours pareil, ce sont des pièces uniques. Moi, j'ai fait chaque... Même si le même système, je l'ai utilisé pour d'autres bracelets, oui. Mais pas la même couleur, voilà, donc ça, ce sont vraiment des pièces uniques. C'est la laine. Oui, et je peux dire une chose, c'est que ça passe pas inaperçu. Il y a souvent des gens qui font des commentaires, ah, c'est joli et tout ça quand on le porte, hein, c'est vrai. Parce que moi, elle m'en a fait un quand même. Je suis la meilleure, je suis la mieux placée. Non, c'est qu'en fait, j'en ai fait un et elle me l'a piqué.
Oui, mais ce qu'elle ne dit pas. Ouais, mais tu dis ça, mais après, ils vont croire que je suis une voleuse et que je te harcèle. Là. Oui, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que quand elle fait un truc, quelque part, je sers de cobaye, et comme ça, ça la motive encore plus à en faire un autre. Parce que le gilet que je lui ai piqué, hein, elle était vachement contente. Parce que finalement, ça y est, t'as attaqué un autre tout de suite, tout de suite. J'ai attaqué un deuxième, ouais. Autre couleur et un peu modifié. Et mieux. Un peu modifié, donc je pense mieux à... Voilà, ouais. Voilà la vérité, hein. Plus rapide, surtout. Non, je ne suis pas une torsionneur voleuse. Non, quand même pas. Ce n'est pas un autre sac, toi. Eh oui, alors celui-là, normalement, vous le connaissez. Ah oui. Ça, ce sont des chats que j'ai peints, voilà. Oui. Que j'ai signé parce que sinon... Ma sœur, elle va me taper, là. Parce que longtemps, elle ne signait pas ses œuvres. Et là, j'étais pas du tout d'accord. Il faut que tu signes, voilà. Donc, j'ai signé parce unique. Que sinon, elle va me faire pampan cucu avec la pelote de laine. Alors, ça fait mal, une pelote de laine. Hein. Bah, tiens, oui, donc, c'est les matous amoureux. Donc, adjugé vendu à combien? Allez, 5, 10. 50 000, 60 000, allez, 5, allez. Oh non, 10. Alors, il faut savoir, là c'est pareil, c'est unique, la seule chose qu'elle fait, le même motif, oui. Ambre, elle prend le même motif, mais elle fait d'autres couleurs. Donc, si vous voulez orange et bleu turquoise, il n'y a que celui-ci. Parce que les autres, ils ont d'autres couleurs. Ouais, je fais jamais les mêmes couleurs. C'est jamais les mêmes couleurs. Donc là, c'est pareil, ce sont des pièces uniques. Hein. Et là, je vais en refaire d'autres avec la dame au chapeau. Une dame au chapeau. Qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Oui, 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 oui. Oui. C'est ceux-là que tu as vendu au marché dans ma chiale. Oui, oui, oui. Mmh. Et donc, ceux-là, donc, non, 5 euros. Allez, 5 euros plus une participation aux frais de port. Voilà. Voilà. Au premier qui dégaine sur le mail, et voilà. Par mail, oui, on va. C'est beaucoup plus facile par mail parce que vous envoyez à gauche et à droite. Et en plus, j'ai commencé à faire un site, mais qui n'est pas terminé. Donc pour présenter toutes les, c'est pas terminé. Donc, si ça vous intéresse, ça ou ça ou ça ou ça, envoyez-nous un mail à ambre-e-crissa@gmx.fr. Voilà. C'est marqué en bas. Dans le descriptif, ou alors les nuances d'ambre, voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, ma chérie? Il fait beau. Il fait beau. Ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos, parce qu'on ne va pas non plus vous faire voir quand on est en train de faire du crochet ou des trucs comme ça. Et pourquoi pas? Oh, toi, tu fais tes tutos, ça leur suffit. Oui, d'ailleurs, il faut que je sors celui-là avec le gilet. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à dire encore. Mmh. Et donc, normalement... On est quoi aujourd'hui? Mercredi? On est mercredi. Mercredi. Normalement, on reprend la route vendredi. Vendredi, de toute façon, on n'a pas envie de rouler le week-end. Non. Voilà. Non. Donc, sûrement vendredi. Vendredi, parce qu'il y a des ablutions à faire. On va être à court d'eau. On va être à court d'eau et il y a... Absolument, du linge à laver aussi. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas fait l'autre jour, donc il va falloir quand et même... Et j'ai presque plus de pain. Ah, alors, ça c'est terrible. Ah oui, si je n'ai pas de pain le matin pour mon petit déjeuner, je deviens très désagréable. Tu sais que normalement, ce sont les Français qui sont incroyables sans pain. Non, moi c'est que le matin. Pas. Moi c'est que le matin au petit déjeuner. Parce que le reste de la journée, je ne mange plus de pain, c'est que le matin. Et quand je n'ai pas mon pain le matin... Oh là là. C'est encore moi qui vais me faire taper dessus avec la pelote de laine. Oh oui. Bon. Mes chéris, je vous dis peut-être à bientôt, si je ne suis pas martyrisée par une pelote de laine. Voilà. Ou emballée dans un sac. Ouais. Bon, écoute, on prendra deux. Rien que les nénés, c'est beau, ils passent pas. Parce que là, t'en as plusieurs, là. Ouais. Donc, on prend un pour le bras gauche, un pour... Et en plus, c'est assorti à ton t-shirt. Ouais. Regarde-moi ça comme ça. Oui, beau. Par contre, c'est vrai que j'en ai plusieurs, des comme ça. Des comme ça, il y a donc, je pourrais satisfaire plusieurs personnes. Même si les rayures ne sont pas systématiquement au même endroit, et même là, ce n'est pas systématiquement le même... Bon, ce sont les mêmes fruits, mais pas dans le même... Et il y en a certains, il y a une petite pochette, et d'autres, j'ai cousu en entier. Bon, on a tout dit. Domino va très, très bien. Cassie va très, très bien. Aussi.
On sent que c'est un endroit magique parce qu'il se rapproche vraiment. Souvent, Domino, il dort sur le tapis devant chez moi. Et Cassie, elle est sur les marches de Coquelicot. Elle dit rien. Il se regarde, il se renifle un peu, comme ça, tranquille. Donc, ça va le faire petit à petit. Voilà. Allez, cette fois-ci, on y va. Allez, chérie. Ciao, ciao.